au marché, à l'hôpital, parce que là où le virus ne circule pas, si vous avez envie de faire le culte, de célébrer votre Dieu dans ces endroits-là, vous viendrez célébrer votre Dieu dans ces endroits, parce que c'est à ces endroits-là, selon le gouvernement, où il n'y a pas de virus, que j'irai maintenant faire le culte. Il avait promis, il l'a fait. Le révérend pasteur Georges Bounongoussi s'est bien rendu au plus grand marché du Grand Libreville, le marché de Mombwe, situé dans le 3e arrondissement. En effet, après la tentative d'intimidation orchestrée par le ministre de la Santé et celui de la Défense, le dimanche 14 février, sur la personne du leader charismatique et acteur majeur de la société civile, d'aller désormais de partout afin de faire connaître la vérité. Tel un prophète, le révérend Georges Bounongoussi a foulé le sol du plus grand marché de la capitale gabonaise pour y célébrer son culte, histoire de démontrer l'incohérence des mesures restrictives de lutte contre la Covid-19. Sauf si les gens sont convaincus qu'ici au marché, il y a plus de risques de contamination que dans les églises. Il faudrait que les gens sachent cela. Alors, maintenant que nous avons atteint l'objectif, le premier objectif du premier dimanche. Malheureusement, le libérateur, comme l'appelle désormais le peuple de Dieu, n'a pu célébrer ce culte tant attendu par toute une nation. Les autorités arguant que le révérend n'avait pas d'autorisation. Dans tous les cas, Georges Bounongoussi a promis de revenir cette fois-ci avec une autorisation, car nul ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Le sang de Jésus-Christ soit expliqué à tout ce monde. Pour qu'ils sachent que s'ils sont vivants, ce n'est pas à cause de ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne mettais pas ça jusqu'au mois de juin. C'est Jésus qui m'a dit que par motif de conscience, il faut que je mette ça pour que d'autres ne pêchent pas. Et je mets ça devant vous. Mais nous sommes vivants aujourd'hui pas à cause des bricoles qu'on nous dit. Nous sommes vivants aujourd'hui à cause de Jésus-Christ. Donc, vous allez seulement distribuer les symboles prophétiques. Demain, je serai à la mairie, obtenir l'autorisation. Et nous reviendrons dimanche prochain pour célébrer le culte.